Et salut à tous les amis, c'est Sarenik et on se retrouve aujourd'hui pour le début de la deuxième saison avec Arsenal. Aujourd'hui, on va jouer le challenge américain, le tournoi de pré-saison en gros. Et on va faire tout le mois de juillet, donc je pense le mois de toute la compétition. Et voilà, allez, c'est parti, on se retrouve en fin de vidéo. Les joueurs qui s'échauffent, on s'attend vraiment à un spectacle exceptionnel aujourd'hui, un match que l'on va suivre en direct.
Bienvenue à tous, bienvenue ici au Dignity Health Sport Park à Los Angeles. On ne change pas l'équipe qui gagne bien sûr. Hervé Matou et Pierre Ménès pour vous commenter ce match. Un match de la première journée dans ce groupe du tournoi d'avant-saison. Et on a hâte que ça commence, Pierre. C'est une première rencontre de préparation aujourd'hui, c'est le moment de se remettre dans le bain. On cherche la faille dans la défense adverse. Pizarro, et but. Eh oui, but. L'ouverture du score ici. Voilà l'excellente inspiration de cette équipe à l'approche du but avec ce 1-2. Allez, par-dessus, pas mal. Bonne circulation du ballon. Un ballon perdu pour Arsenal. Allez, prends sa chance. Allez, le but après un énorme travail, un gros boulot de récupération. Ouais, c'est mérité, ils n'ont pas arrêté de faire pression sur le porteur. Et au final, ça leur a permis de récupérer un excellent ballon. Oh, les images sont terribles pour la défense. Cette relance, elle est carrément ridicule. Le ballon est non seulement rendu bêtement, mais en plus, là, on est à deux doigts de la passe décisive pour l'adversaire. Et les voici donc avec deux buts d'avance, 2-0. Et le challenger qui tient son résultat pour le moment. Et quel résultat, Hervé hein. À mon avis, au petit jeu des pronos, beaucoup ont dû se planter sur ce match. Allez, il peut y aller. Et le but! Le réalisateur qui nous propose les images de cette contre-attaque. Le buteur qui a décidé d'y aller tout seul. Il est parfaitement lancé, après il n'y a plus qu'à battre le gardien. Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. Et 2 buts à 1 donc maintenant. Normal qu'il ait marqué. Tout compris là, le défenseur, bien vu. Oh, le poteau! Et le but! Le but qui permet à cette équipe de compter 2 buts d'avance désormais. C'est déjà plus confortable, mais c'est encore trop tôt pour s'endormir. Il faut surtout pas se relâcher maintenant. On revoit le but, effectivement. Le ralenti est cruel pour ce joueur. C'est bien une perte de balle qui est à l'origine de ce but. L'entraîneur qui n'a pas le choix maintenant pour égaliser, il faut qu'il fasse entrer du 109. Et avec ce nouveau but, ça nous fait donc 3-1 maintenant. Qu'a indiqué le quatrième arbitre, Pizarro. Franchement, Figale. Bon, il peut centrer. Le centre était bon, mais. Personne n'a réussi à toucher ce ballon. Allez, la fin de la rencontre. À l'instant, Arsenal qui s'incline. Ouais, ce genre de match, tu sais jamais si c'est encourageant ou pas de les avoir perdus. Après avoir fait jeu égal dans tous les compartiments, c'est bien. Ouais, mais comme le dit un fameux consultant, il n'y a pas de défaite encourageante. J'aimerais bien avoir votre sentiment, votre avis sur la prestation de Gonzalo Higuaín. Bien, il a fait un match intéressant, sur le plan personnel il a marqué, mais je crois qu'il doit être surtout heureux de la victoire de son équipe. Bonne circulation du ballon.
Ah, ça, c'est un joueur qu'on va suivre de près aujourd'hui. Hein, vous vous en doutez. Voici un joueur sur lequel le club compte énormément. Est-ce qu'il va redonner des couleurs à cette équipe? On devrait être fixé dès son premier match sous ses nouvelles couleurs. Bienvenue au BC Place, ici à Vancouver, au Canada, pour cette rencontre que nous allons suivre ensemble. C'est Hervé Matou, bien sûr, au micro. À mes côtés, ce cher Pierre Ménès. C'est vrai qu'il est un petit peu cher. La suite de ce tournoi d'avant-saison avec la deuxième journée de la phase de groupe. Le Real Madrid contre Arsenal. Oui, voilà, deux équipes qui vont... Ah oui, c'est bien fait ça. Mbappé en bonne position. Et le but, c'est Kylian Mbappé. C'est Kylian Mbappé qui est le premier à marquer dans cette rencontre. Bien donné, on le revoit, ce ballon en profondeur, beaucoup de clairvoyance de la part du passeur. Cette perte de balle, elle leur coûte cher. Ouais, après ça va très vite, hein, mais le buteur signe un bel exploit individuel. L'entraîneur qui ne cache pas sa joie, ce but fait beaucoup de bien, surtout il permet à ses joueurs de virer en tête dans cette rencontre. Et c'est Arsenal qui passe devant. Mbappé. Oh, il s'est ouvert le chemin du but. Dembélé. Et le but d'Arsenal. Alors qu'on revoit la contre-attaque. On revoit le joueur qui échappe à la défense et qui vient tromper le gardien. Ouais, exploit individuel, belle preuve de sang-froid dans le dernier geste. Et ça fait maintenant 2-0 au tableau d'affichage. A priori, le Napoli aurait récemment fait une proposition pour un transfert. Pour le moment, ce n'est qu'une rumeur. Allez, il peut s'échapper là. Il travaille bien son ballon et il marque en finesse. Le réalisateur qui nous propose les images de cette contre-attaque. Le buteur qui a décidé d'y aller tout seul. Il est parfaitement lancé, après il n'y a plus qu'à battre le gardien. Notre réalisateur qui nous montre le but avec une autre caméra. L'entraîneur qui semble se dire qu'il n'y a décidément plus rien à attendre de ce match. Rien ne va aujourd'hui. Il semble prendre un avantage quasi décisif. Un ballon perdu pour Arsenal. L'arbitre qui siffle la fin de cette partie, qui se termine donc par une victoire à l'extérieur. Une nette victoire au tableau d'affichage. Rien à dire sur ce qu'on a vu dans ce match. Elle est complètement logique. Qu'est-ce que vous avez pensé de la performance d'Ousmane Dembélé dans cette rencontre? Très bon match pour lui, avec un doublé. En plus, c'est toute l'équipe qui hausse son niveau de jeu quand il enjambe comme ça. Donc... peut rentrer à la maison avec le sentiment du devoir accompli et du travail bien fait dans l'intérêt collectif.
Salut à toutes et à tous, bienvenue à LA, au Dignity Hill Sports Park de Los Angeles, avec un ciel bien dégagé et qui nous accueille aujourd'hui, excellentes conditions. Au commentaire, c'est bien sûr le duo Matoumenes qui va vous accompagner. C'est déjà la troisième journée du tournoi de pré-saison. Arsenal affronte le FC Barcelone. Ouais, voilà, deux équipes qui ont envie de finir en force dans ce groupe, avec deux matchs dans les jambes. Les joueurs ont pris déjà quelques marques, retrouver du rythme, des automatismes. L'un des joueurs à suivre dans cette rencontre, en particulier Ousmane Dembélé, le champion du monde. Pour la première fois, il va affronter ceux qui, il y a peu, étaient encore ses coéquipiers. Et c'est sûrement un atout pour son équipe, à condition que ça ne le bloque pas. Ouais, cela dit, il y a quand même beaucoup d'incertitudes en ce qui concerne son état d'esprit. Alors pour être clair, tu penses que ça peut le perturber, qu'il y a des risques qu'il passe à travers ? Non, pas forcément, mais il faut qu'il fasse attention à rester concentré sur son match, de ne pas se laisser distraire par les petites provocations de ses anciens partenaires qui vont certainement essayer de le déstabiliser. Enfin, c'est le jeu. Mbappé. Oh, le grand danger. Oh, l'ouverture du score. Déjà un but dans cette rencontre. Ah, ça devait être animé. Cette perte de balle, elle leur coûte cher. Ouais, après ça va très vite, hein, mais le buteur signe un bel exploit individuel. On va peut-être mieux voir ce qui s'est passé. Ah, le pressing qui paye dans le camp adverse. Il frappe vers le but vide. Oh, but! Le gardien qui est complètement parti à l'aventure. Le réalisateur qui nous passe ce but étonnant. Franchement, le gardien et le défenseur, ils avaient quoi de mieux à faire que de protéger leur but. Tiens, regardez, un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. Allez, tout est à refaire, un but partout. Mbappé. La balle en profondeur de Mbappé. Un but tout en finesse. Les images de cette action qu'on est en train de revoir, avec au départ un 1-2 qui prend la défense à revers. On voit le joueur qui échappe à la défense et qui vient tromper le gardien. Ouais, exploit individuel, belle preuve de sang-froid dans le dernier geste. L'entraîneur qui a le sourire et ça se comprend, son équipe est dans une bonne dynamique maintenant dans ce match. Le Barça est mené. Martinez. Ouais, ça c'est bien vu. Ouais, c'est bien dosé ça. Kieran Tierney. Et le but pour Arsenal qui compte désormais deux buts d'avance dans ce match. L'action gagnante que l'on revoit en ce moment avec cette passe en profondeur. Ça, il fallait le faire. Hein. Marquer sous la pression adverse, c'était pas évident du tout. C'est sur ce ralenti. C'est un autre angle qui nous est proposé, ça va être intéressant. Un sourire entraîneur et c'est normal, son équipe joue bien, elle mène largement la marque maintenant. L'entraîneur qui choisit de faire un changement. Gérard Piqué.
Plus que 2 minutes à jouer dans cette rencontre. Clément Lenglet. Pas beaucoup de temps additionnel, hein, seulement 2 minutes. Attention, on ne peut plus l'arrêter, attention! Ça peut donner quelque chose, ça. Oh, il sauve ce ballon sur la ligne! Oh, in extremis! Voilà, c'est terminé et c'est le résultat que le Stade attendait, à savoir une victoire à la maison. Ouais, rencontre sacrément indécise, mais finalement victoire pour l'équipe qui a montré le plus de lion et d'entente. Mentalement, c'était quand même solide. Alors, je ne sais pas vous, mais moi je trouve qu'il a plutôt été bon hein, dans cette rencontre. Il a vraiment contribué à la victoire de son équipe. J'ai trouvé qu'il a... Salut à toutes et à tous, merci de nous avoir choisis. Nous sommes aujourd'hui au BC Place de Vancouver. Au commentaire, c'est bien sûr le duo Matoumenes qui va vous accompagner. On est déjà arrivé au stade des demi-finales de ce tournoi de l'intersaison. Arsenal affronte l'Atlético de Madrid. Allez, cette fois, on passe aux choses sérieuses puisqu'il ne reste plus que 4 équipes encore en course. Ces deux formations, vous verrez bien aller au bout. Mais il reste 2 matchs à jouer, dont celui-ci. Alors, on va bien sûr suivre de près Luis Suarez dans ce match. Hein. Oui, bah lui, il se passe toujours quelque chose. Hein, une accélération, un taquet, une simulation, mais quand même aussi des buts. Hein. Ce challenge américain qui aura tenu toutes ses promesses. Oui, pourtant, nous n'en sommes qu'au stade des demi-finales. La
la composition d'Arsenal avec les 11 joueurs qui vont débuter ce match. Les hostilités qui commencent avec le coup d'envoi donné par l'arbitre. Pas à l'instant. Avec Coqui. De Suarez. Ah, le bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Ouais, bien joué la remise. Ouais, le ballon qui est donné en profondeur. Et le but ! Le premier but du match ! Alors que l'on revoit ce but avec tout d'abord ce 1-2, une belle inspiration vraiment. Ça, il fallait le faire, hein. Marquer sous la pression adverse, c'était pas évident du tout. Le réalisateur qui nous remontre ce but. L'entraîneur qui a le sourire et ça se comprend, son équipe est dans une bonne dynamique maintenant dans ce match. Arsenal qui prend la tête au score. Ils prennent leur temps, ils posent le jeu. C'est donné par-dessus pour tenter de trouver Yannick Carrasco. João Félix, oh le but ! Oh le but d'égalisation pour l'Atlético de Madrid. On revoit ce but, Hervé, cela confirme notre impression. Le buteur fait ce qu'il a à faire, mais on ne peut pas en dire autant du gardien. Notre réalisateur qui nous montre le but avec notre caméra. Sur le banc de touche, on a... Ils sont allés presser l'adversaire hein, pour aller lui prendre ce ballon. C'est remarquablement fait. Alors, vous le savez, hein, score de parité à la fin de la prolongation, ça veut dire tir au but. Le premier tireur qui se présente face au gardien. Black, oh magnifique! Superbe intervention de Yann Oblak. Oh, poteau! Ah, le joueur qui s'en veut, évidemment. Un penalty transformé. Ouais, puissant, précis. Un pénal bien tiré, quoi. Hein. Et oh, la parade du gardien! Ouais, très bonne anticipation. Et c'est réussi. Penalty bien frappé, c'est un penalty marqué, donc il est bien frappé. Et ça rentre, parfaitement tiré. Ouais, serein le gars. Et c'est dedans, bien frappé. Rien à redire, Hervé. Il va essayer d'accorder un sursis à son équipe. Quel précis. Ouais, c'est dedans, sans trembler. Hein. À aucun moment il a douté. S'il marque, son équipe l'emporte. Et voilà, c'est fait! Le tir au but décisif qui qualifie cette équipe pour la finale! Il fallait garder ses nerfs compte tenu de l'enjeu. Bravo, belle solidité. Et là voilà cette égalisation et qui leur permet d'obtenir un sursis dans ce match. La dernière minute risque d'être particulièrement tendue. Il ne faut plus faire d'erreur maintenant.
Salut à tous, quel plaisir de vous retrouver ici en direct du Dignity Health Sports Park en Californie. Et nous allons vous commenter ce match, moi-même, Hervé Matou et Pierre Ménès. La finale de ce tournoi de pré-saison, Arsenal face au Bayern Munich. On s'ennuie pas dans ce tournoi, hein, Hervé. Hein. L'accueil est parfait, les supporters sont chaleureux, le football est de très bonne qualité. Et en plus, on a le droit à une finale indécise aujourd'hui. Ce match devrait être un régal et on suivra surtout deux joueurs en particulier. Alors, ce sont deux joueurs qui ont évidemment une grande influence sur le jeu de leurs équipes. On risque de voir de belles choses. Ousmane Dembélé, on ne sait pas ce qu'il voulait faire, mais il a rendu le ballon à l'adversaire. Dans quelques minutes, on connaîtra donc le vainqueur de ce challenge américain. Ouais, au début, c'est une compète pour se préparer, mais maintenant, on est en finale, donc les joueurs veulent gagner. Martinez, la bonne intervention de Neuer qui remporte ce face-à-face. Le tireur qui a visé la zone du point de pénalty. Bonne intervention du défenseur qui a écarté le danger. Alphonso Davies. Un entraîneur qui aborde cette rencontre auréolée d'une 50e victoire acquise il y a quelques jours. Et les victoires, elles s'enchaînent en ce moment. Oui, ce coach a tellement apporté depuis qu'il est arrivé dans ce club. Les 50 victoires obtenues sont d'ailleurs tous sauf un hasard. Partout où il passe, il fait l'unanimité. C'est effectivement ça. Attention à cette action. Ouais, le bon tacle. Kimmich. Ouais, faute, mais ça joue, ça profite au Bayern. Lewandowski. Allez, il peut y aller tout seul. Le gardien qui éloigne le danger, mais ça joue. Allez, après tout, pourquoi pas. Kylian Mbappé. Alors, le ballon qui est dégagé. Ouais, ouais, bon ballon, bien récupéré par les Bavarois. Alphonso Davies. Thomas Müller. Mbappé. Mbappé qui s'est un petit peu troué sur ce ballon et qui perd la possession. Ce sera un coup franc pour Arsenal. Ah, je croyais qu'il allait lui mettre un jaune. Bah, bah là, il a préféré rester en mode avertissement verbal avec l'air de dire bon, ça va pour cette fois, mais attention maintenant, je vous ai à l'œil. Martinez. Ouais, il glisse ce ballon en profondeur. Oui, attention. Oh, le but ! Kylian Mbappé qui ouvre le score. On le revoit sur ces images, le gardien n'a pas grand-chose à se reprocher sur ce but. L'action est bien amenée et à cette distance, il aurait fallu un miracle pour qu'il arrête le ballon. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Kimmich. Lucas Leiva. Robert Lewandowski. Daniel Carvajal. Robert Lewandowski. Lucas Leiva. Visiblement, on cherche la brèche en faisant tourner. Sans danger pour le gardien qui accompagne ce ballon du regard.
On s'en doutait un peu, mais c'est pas du grand Arsenal pour ce qui est de la possession du ballon. Mais bon, vous le voyez, ça veut pas dire grand-chose finalement. Hein. Ça n'empêche pas cette équipe de mener au score et d'être suffisamment bien organisée pour poser des problèmes à l'adversaire. Lewandowski. Müller. Joshua Kimmich. Sané. Alphonso Davies. Ils attendent la bonne ouverture pour aller piquer et égaliser. Le roi Sané l'a frappé, il a été contré. Les cabarets du Bayern qui sont montés sur ce corner, ce serait bien d'égaliser. Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. Ce sera un 6 mètres. Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, il cherchait quelqu'un, mais il ne l'a pas trouvé. Serge Gnabry. Ah, il n'y a personne pour venir contrer Carvajal, qui va s'engouffrer sur l'aile. Le centre, finalement, qui est récupéré par la défense. Et voilà, déjà 45 minutes de jouer dans ce match. Un petit but, simplement 1-0. L'entraîneur qui va rejoindre le vestiaire avec ses joueurs dans cette finale du challenge américain avec le sourire. Oui, il peut être satisfait de la première période de son équipe. Les joueurs ont l'air déjà en confiance. Seconde période qui débute. Le Bayern, on le rappelle, qui est donc mené au score. Müller. Oui, ça s'est donné comme il faut. A complètement manqué ce centre qui file direct en touche. Maitland-Niles. Thomas Partey. Naples qui se renforce hein, avec la signature toute récente de ce jeune joueur. Oui, oui, Hervé a noté que le montant de la transaction aurait atteint une somme astronomique. Allez, une place là pour une contre-attaque. Ah, c'est pas ce qu'il voulait faire. Tant mieux pour le gardien qui s'empare du ballon. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Il a décidé de se donner les moyens d'égaliser. Hein. Kimmich. Gnabry. Carvajal. Serge Gnabry. Le Bayern qui fait bien vivre ce ballon. Et le ballon parti très loin. C'est dégagé. Une balle d'égalisation. Oh oui, le but. Et le Bayern Munich qui recolle au score. Voilà la séquence qui mène au but. Ça démarre en fait avec ce dégagement raté. Et après, il ne faut pas leur en donner plus. Hein. Les attaquants adverses se sont fait un plaisir de punir leurs adversaires. Et ils égalisent donc un but partout. Entraîneur qui va faire un petit peu de coaching en faisant entrer un remplaçant. Alors, t'as un favori, Hervé ? Je fais confiance à l'entraîneur. Aubameyang qui tire. Oh, c'est contré ce tir.
Kimmich. Lewandowski. Müller. Ouais, il essaye en louche un petit peu. C'est donné sur l'aile. Carvajal. Serge Gnabry. Müller. Il était en bonne position, mais à l'arrivée, c'est une sortie de but. La sortie de Lewandowski. Match intéressant pour lui, on retiendra surtout son égalisation. C'est à voir. Thomas Partey. Ousmane Dembélé. Oh, la bonne inspiration sur cette passe. Il va être à bout portant. Ballon capté par le gardien. Ballon perdu pour Arsenal. Et Bayern de Munich à l'attaque. Du mouvement au bord de la touche. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. Et il décale pour Aubameyang en position excentrée. Allez, repique à l'intérieur du jeu Aubameyang. Pierre-Emerick Aubameyang. Le centre en retrait. Oh, c'est dévié! Heureusement, sinon ça faisait but. Ouais, j'en ai bien l'impression. Comme quoi, ça se joue pas grand-chose parfois. Hein. Attention, le corner frappé par Dembélé. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Le ballon pour le Bayern, qui espère pouvoir faire la différence. 8 minutes, hein, c'est le temps qui reste à jouer. Ouais, bonne passe. À Hernandez. L'entraîneur qui a demandé à faire un changement. Un joueur est sur le point de rentrer. Ah, les dernières consignes de l'entraîneur et la petite tape derrière la tête qui va bien. Pierre-Emerick Aubameyang. Les Gunners qui tentent une de leurs toutes dernières percées dans ce match. Choupo-Moting. Sané. Kimmich. Ouais, peut-être la passe lobée. On va pouvoir centrer. Oui, bien joué le gardien qui écarte le danger. Ouais, ça y est, c'est terminé pour cette prolongation. On va avoir droit à une séance de tir au but dans cette finale. C'est le premier tireur. Il sait qu'il a la pression dans cette séance. Et le pénalty transformé. Attention, le moment est important. Oh, c'est raté. Oh, il perd son duel face au gardien. Je pense que tout s'est joué dans la tête. Je l'ai senti crispé. Eh bien tiré, ce pénalty, c'est fait. Impeccable, plein de sang-froid. Oh, l'arrêt de Leno. Beaucoup de pression, bien sûr, sur les épaules du tireur. Et ça rentre, parfaitement tiré. Ouais, serein le gars. S'il ne marque pas, c'est terminé. Et voilà, c'est terminé. Au terme d'un suspense insoutenable, puisqu'il a fallu avoir recours au tir au but, cette équipe s'impose dans cette finale. Ouais, on peut dire que c'est l'équipe la plus solide nerveusement qui a remporté cette séance de tir au but. Ouais, c'est le gardien qui remporte ce duel. Au ralenti, on voit très bien que c'est le gardien qui fait le bon choix.
Et voilà les amis, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On a remporté le trophée américain. Et restez comme vous êtes car vous êtes super. Bye tout le monde.